Et salut à toi gamer et salut à toi gameuse, c'est Revilo19 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis ce sera un vidéo test sur Fable 3, donc un jeu édité par Microsoft, développé par Leonid, c'est un type action jeu de rôle sorti en France le 29 octobre 2010, donc c'était pas il y a 4 ans mais dans quelques mois ça fera quand même 4 ans, donc il faut quand même en avoir conscience et c'est déconseillé pour les moins de 16 ans mine de rien. Donc voilà, le troisième opus de la série des Fables, donc c'est assez connu. Alors, pour l'instant, je vais appuyer sur Start et on va attaquer gentiment ce vidéo test. Alors là, on a des petits chargements, assez spécifiques à cette série des Fables. Ils sont assez originaux, moi je trouve, avec des petites astuces en bas à gauche, comme vous pouvez voir. Et puis voilà, alors, on va tout de suite apparaître dans ma partie à moi, donc vous allez rien comprendre. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, vous allez arriver en pleine histoire. Et il va falloir que je vous parle de beaucoup de choses sur ce jeu, puisqu'on est là pour un vidéo test. Donc voilà, voilà ce que c'est Fable. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est original. C'est original, ça a son style. Alors écoutez, on va tout de suite commencer une nouvelle partie. Je vais, sans plus tarder, prendre une nouvelle partie. Je vais perdre toute ma progression, mais c'est pas grave. C'est parti. Voilà, donc un petit chargement. Encore une fois, avec une astuce, c'est un jeu que vous pouvez trouver, écoutez, à un prix vraiment raisonnable au jour d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur Xbox 360. C'est un jeu également disponible sur PC. Et le jeu est devenu gratuit sur Xbox. Alors bon, on en reparle tout à l'heure. Je vous laisse la cinématique. À tout de suite. Voilà, donc on a la voix d'une femme, qui était déjà très connue à l'époque dans les anciens Fables, pour ceux qui connaissent très bien la série, cette voix, la dame qui est brune, je crois, on l'a croisée déjà dans le... C'était dans le Fable 2 que j'ai joué, j'ai pas joué au 1, mais bon, moi je veux incarner le prince. Voilà. Évidemment. Teresa, voilà, c'est ça, c'est le nom de la... Donc c'est un jeu que vous pouvez trouver à un prix très raisonnable, et comme je vous ai dit, moi je l'ai eu gratuitement sur Xbox, il est devenu gratuit sur Xbox Live, je sais pas s'il est encore gratuit, si vous pouvez vous l'obtenir, j'en sais rien du tout, mais bon, voilà. C'est un jeu qui a une version française intégrale, et concernant le multijoueur, faut le souligner directement, on peut jouer avec un copain à nous, deux joueurs en coop, en local, ou bien en ligne. A tout de suite. Vous remarquerez les cinématiques plutôt bien faites. A tout de suite. Ah bah dis donc. Ah oh, mais dis donc. C'est une bonne leçon de la vie, je sais pas si vous comprenez un peu le truc, mais c'est plutôt pas mal.
sera le meneur de cette révolution. Oh waouh, c'est vrai que c'est assez impressionnant et je trouve que la cinématique est vraiment, vraiment bien faite parce que directement, on a vraiment une leçon. C'est... Ouais, je vous laisse. D'accord. Donc il dort avec un chien, c'est vrai que... Je l'avais oublié parce qu'en fait, j'ai pas complètement terminé Fable 3. J'ai terminé les deux anciens opus, mais Fable 3, j'étais pratiquement à la fin. Et je me rappelais pas du début exactement, et c'est vrai que c'était assez rigolo. Alors oui, vous avez pu voir que effectivement le poulet, c'était une leçon de la vie, comme quoi le poulet, bah, il a été courageux, il s'est échappé donc de là où il était avec ses amis les autres poules, quoi. Et donc il a été courageux, c'était une leçon de vie en disant qu'en gros, dans la vie, bah, si vous êtes courageux, vous affrontez tous les dangers. Et finalement, à la fin, bah, il se fait fusiller, il n'y a pas d'autre mot, il se fait totalement fusiller par... alors on va choisir une tenue juste avant. Je vais prendre celle-là hein, tout de suite. Et il s'est fait fusiller donc par le cuisinier et il disait qu'en gros, enfin la voix disait qu'on peut pas triompher seul. Effectivement, si vous voulez gagner, c'est très rare que vous réussissiez seul, quoi. Vous avez toujours besoin des autres. Alors bon. Donc là ça y est, on a terminé en gros la cinématique. Donc j'espère c'est un peu comme notre serviteur. Donc là on est dans un château, dans notre château. On va aller chercher Elise. Donc on a notre petit chien. On va ouvrir ça et il y a toujours ce système comme les précédents opus, ce système de chemin éclairé qui nous indique où il faut aller avec toujours accompagné de notre chien. Alors c'est pas le, enfin moi je sais que les personnages dans les anciens opus c'était pas comme ce monsieur, hein, c'était pas la même tête, mais bon voilà. C'est donc un jeu de rôle plutôt orienté action, et c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Alors les graphismes sont plutôt, on va dire, originaux, je pense que pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, vous devez être surpris. Alors on peut parler, on peut interagir avec les gens, donc on peut interagir d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, comme les précédents opus, hein, y avait déjà ce système où finalement vous interagissez avec quelqu'un de banal dans la rue, enfin on peut pas dire ça comme ça, mais vous m'avez compris, en gros vous interagissez et soit vous réagissez bien, soit vous agissez en bien, soit vous agissez en mal, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, là le mec que j'ai croisé, soit je lui rotais à la tronche, soit je lui tirais la main. Donc voilà, c'est des actions comme ça qui vont faire que ça va forger votre identité, enfin votre. Ce que les gens vont penser de vous, et puis voilà. Donc là, on a tout de suite rejoint Elise. Et puis voilà, donc voilà, Fable 3, c'est plutôt sympa comme jeu. Donc il faut savoir que entre le deuxième opus et donc ce Fable 3, il y a 50 ans qui se sont écoulés, donc c'est pas rien. Le fameux monde d'Albion, hein, comme vous avez pu entendre, et il est plutôt devenu très clairement, alors je vais l'embrasser, hein, sans hésitation. Il est devenu, comme vous avez pu le remarquer, plutôt industrialisé. Et il est maintenant dans cet opus, il est régi par un impitoyable tyran, mais ça, vous allez le comprendre tout au long de l'histoire. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, je vais un peu spoil l'histoire, mais je pense pas que ça va beaucoup vous gêner, parce que vous êtes là pour découvrir le jeu. Soit vous êtes quelqu'un qui connaissait pas du tout la série des Fables, soit vous êtes là parce que vous connaissez déjà Fable 3, mais ça vous fait plaisir de regarder ce vidéo test avec moi, avec mon commentary, et ça me fait énormément plaisir si c'est le cas. Alors bon, voilà. On a le choix, donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, de choisir notre héros, donc c'est plutôt pas mal, effectivement, on peut soit choisir le prince, soit la princesse. Alors, après, c'est suivant, si vous êtes une fille ou un mec qui jouait au jeu, j'imagine que les avis vont être différents de choix.
Et donc voilà, on choisit donc notre héros au début de l'aventure. Et on va devoir faire en sorte de... On va faire en sorte, en fait, tout au long du jeu, de mener une genre de révolution pour renverser donc le fameux... Le fameux monde d'Albion, enfin, qui est donc tiré par voilà, qui est régi par le tyran, quoi. Donc, alors, hop, je vais... Allez, viens avec moi. Donc, on va l'emmener aux cuisines du château, on a l'objectif qui est indiqué en haut au centre. Donc voilà, elle me parle, mais bon, c'est vrai que je pense pas que c'est gênant que je parle en même temps qu'elle parle, parce que bon, après, c'est à vous de découvrir... tout le long du jeu, les paroles, etc., les discours et tout, parce que vous n'êtes pas là non plus pour être spoilé le plus possible, hein, c'est pas ça le but. Et donc voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura renversé donc le système, on va faire en sorte, on va essayer de prendre, comment dire, tout simplement les rênes du pouvoir, hein, si je peux dire, et... essayer d'affronter les nombreux périls qui vont menacer le pays, hein. De toute façon, ça vous le verrez par la suite. Donc là, le cuisinier qui parle, Steward. Et on va donc s'adresser au personnel, discours plutôt encourageant. De toute façon, moi, j'ai toujours été plutôt gentil avec les gens, j'ai toujours agi dans la gentillesse, dans les fables, parce que vous avez le choix de devenir vraiment une réelle merde, soit de devenir vraiment quelqu'un de gentil. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je trouve que ce système est plutôt original, d'avoir le choix de devenir un mec vraiment un connard, quoi, ou de devenir quelqu'un de bien. Alors bon. Donc après, voilà, moi, fable en règle générale... Donc ça, c'est Walter, un mec que j'aime pas trop, personnellement. Enfin, comment dire, c'est... Il est assez charismatique comme personnage, dira-t-on. Et parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Le tyran, le fameux tyran, donc, du monde d'Albion, c'est donc notre frère, en fait. Le frère au héros qu'on a choisi si vous prenez le prince. Et vous allez voir que d'ailleurs, le frère a une sale tronche. Et puis voilà. Non, Walter est vraiment sympa, faut pas... C'est juste que au début, là, vous croyez qu'il vous parle sérieux, mais en fait, il est très sympa. Et donc, voilà. Là, normalement... Ça, si je me trompe pas... Non, c'est pas lui. Effectivement, le roi étant un tyran, il s'en fout complètement que le monde aille mal. Au contraire, hein, c'est un peu le but. Je le trouve plutôt pas mal, le héros, vraiment bien fait. Alors, on va signer. Vous vous rendez compte que sinon, on a comme autre option de l'insulter quand même, hein. Je tiens quand même juste à le faire souligner. Et puis voilà, non, je trouve que déjà les visages sont plutôt bien modélisés, ça va, c'est un jeu quand même 2010, on va pas cracher dessus, parce que ben voilà, c'est quand même... Quand même, voilà quoi, dans un jeu 2010, faut pas être trop sévère quoi. Donc voilà, moi je trouve que les visages sont plutôt bien modélisés. Le héros est vraiment, dira-t-on, beau gosse. Donc voilà, là on va s'entraîner donc contre Walter qui va donc nous entraîner. Voilà quoi, il est là pour nous faire améliorer donc. Qu'est-ce que je fais? Ah,
Ah d'accord, j'ai carrément cassé la... Voilà, ça faut juste savoir... savoir... Là, ça y est, j'ai fait un combo, donc on a une petite cinématique. Voilà, il a dit, imagine que je suis ton ennemi, donc c'est plutôt pas mal. Justement, à ce niveau-là, au niveau du gameplay, vous verrez que c'est assez... plutôt riche. Enfin, je veux dire, c'est riche et vous vous y ferez assez rapidement. Et j'adore les sous-titres, j'adore la bande-son et les discussions des voix françaises, elles sont plutôt sympas. Donc on va suivre Suivez-Lys, puisqu'apparemment, il y a une manifestation devant le château. On va bien voir ça. Et puis voilà. Et donc voilà, donc au niveau des graphismes, bah écoutez, c'est... Moi je dirais que il a mal vieilli, voilà, il a mal vieilli. Bon, il permet quand même de donner vie, on pourrait le dire, à un univers qui est plutôt bah, vivant. C'est plutôt cohérent, hein, on est bien mis dans l'ambiance et tout. Après voilà, faut aimer, les fables, faut vraiment aimer parce que c'est quand même particulier, c'est... Je pense qu'il faut avoir fait les premiers opus pour vraiment s'embarquer là-dedans. Et il faut aimer, parce que si on n'aime pas, on n'aime pas, quoi. Faut pas se forcer. Alors voilà, lui là, c'est le tyran, c'est le fameux tyran à droite, et donc le frère du héros, du prince. Et c'est vraiment une ordure finie, hein. Mais ça, vous le découvrirez en faisant le jeu. Et donc voilà. Comment dire? Moi, le... Voilà, les graphismes sont... Comment dire? Moi j'aime bien, mais c'est pas forcément ce que j'ai le plus aimé par rapport à d'autres jeux, hein, mais... Enfin, voilà, c'est ce côté où il y a quand même... Faut dire ce qu'il y a, il y a beaucoup d'aliasing. Alors certes, c'est un jeu de 2010, faut pas trop cracher, mais voilà, il y a de l'aliasing, il y a du clipping... Il y a des textures quand même qui sont parfois un peu moches, donc c'est vrai que les graphismes ils sont bien pour un jeu 2010, on va dire que c'est à la limite quand même, mais voilà, c'était acceptable. Moi à l'époque ça m'a pas gêné, et puis voilà, bon, on fait avec, mais c'est pas forcément les plus beaux graphismes que j'ai pu voir non plus en 2010, ça c'est clair, c'est clair et net. Après, au niveau de la jouabilité, vous aurez vraiment une diversité. Vous verrez que si vous jouez sur Xbox, vous allez utiliser de tout concernant les touches. Donc on peut faire beaucoup de choses, hein. Au niveau des combats, ça a toujours été très poussé. Et c'est plutôt très poussé, très travaillé. Les combats où on va se défendre, on pourra faire des combos, etc. C'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal, franchement. Donc là, on a affaire tout de suite à notre frère qui nous fait comprendre que ce qu'on a fait est pas bien, et il va nous faire un chantage, je crois, si je me souviens bien, on va avoir un chantage entre soit il tue les mecs, soit je sais plus ce que c'est. Voilà. Voilà, il veut qu'on... Voilà, c'est ça. Il me laisse le choix entre punir soit la fille, soit les étrangers, et c'est vraiment une ordure. Choisis-moi. Tu ne peux pas tous les laisser mourir. Choisis-moi.
Là, franchement, moi, j'ai pas trop envie de laisser la meuf, parce que la meuf est plutôt pas mal. J'aimerais bien, voilà, aller un peu plus loin avec elle, niveau sentimentalement parlant. Donc, on va exécuter la famille. Oh, c'est pas grave. Voilà. Je suis désolé. Hein, je... C'est vraiment une ordure. Très clairement, c'est une ordure et on pose les décors vraiment dès le début du jeu où on a voilà le premier contact avec notre frère. C'est quand même un chantage où on doit choisir entre la vie d'une très très bonne amie, enfin, et de pauvres gens qui n'ont rien demandé. Donc c'est vraiment dur. Et là, on est tout de suite très énervé. On en veut énormément à notre frère. Et il y a le serviteur qui vient nous essayer de nous consoler. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est. Après, au niveau du gameplay, pour ceux qui ont l'habitude des anciens Fables, vous verrez que voilà, Fable 3 s'est très clairement contenté de reprendre donc, les mécaniques donc, du prédécesseur, donc ici Fable 2. Mais vous comprendrez quand même qu'il y a eu quand même de l'approfondissement, quand même. Donc là, on va s'échapper du château tout simplement avec Walter et Jasper, donc le serviteur et Walter. Voilà, donc c'est assez original, c'est assez marrant de voir que bon, le temps a changé, donc c'est assez sympa. Voilà, on a la pluie, il fait nuit, c'est un temps idéal hein, pour s'évader, enfin pour s'enfuir. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent comme ça. Et mais voilà. Mais vous voilà, ce système de décision comme ça, comme on a eu par exemple là avec notre frère entre pour choisir qui doit mourir, de qui doit rester vivre. Ben, on avait déjà donc des décisions comme ça sur les anciens fables, hein, tous ces trucs comme ça existait déjà. Mais on pourra noter quand même que les décisions, c'est la première qu'on a à prendre de vie ou de mort de notre ami ou des gens. Ben, c'est des décisions qui sont plus difficiles. Et souvent, ça aura des conséquences bien plus nettes, si je puis dire, que les anciens opus, voilà. Après le jeu, vous verrez qu'il est quand même extrêmement, enfin, il est facile. Voilà, il est plutôt facile à jouer. Vous verrez qu'il est accessible à tout le monde. Vraiment, tout le monde peut y jouer. Après, encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment important. Soit on aime, soit on n'aime pas, parce que c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas comme un FPS ou un jeu d'aventure basique. C'est un jeu quand même basé type rôle, jeu de rôle, et il faut très clairement aimer le genre de jeu. Donc voilà, tout le monde ne pourra pas forcément aimer, mais si vous aimez vraiment ce milieu-là, vous allez vraiment très clairement vous régaler sans aucun doute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sceau. Je crois qu'on en avait déjà, il y en avait déjà d'apparu dans Fable 2. Mais bon, voilà, moi je pense. Alors après, je pense qu'il va y avoir la question récurrente où c'est est-ce qu'on est obligé de jouer aux anciens fables pour jouer à celui-ci? Eh bien, je vais vous dire que non. Comme vous avez pu remarquer, oula, le son est un peu fort. Comme vous avez pu remarquer. On a commencé le jeu tous ensemble là, dans la vidéo, et finalement, il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas les anciens fables, et vous avez pu remarquer que vous n'êtes pas obligé finalement de les connaître, hein, parce que vous arrivez quand même à comprendre globalement l'histoire. Donc là, voici Teresa, donc c'est elle la voix, la fameuse voix assez connue hein, des fables, très clairement. Ensuite, concernant la durée de vie, vous aurez affaire à une aventure. D'une durée environ à peu près la même que Fable 2. Donc c'est une durée assez longue pour ceux qui ne connaissent pas les fables. Ça se dure très très longtemps, environ moi je dirais une douzaine d'heures pour bien voir le dénouement, quel qu'il soit hein, bien sûr. Mais ouais, il faut en règle générale une douzaine d'heures, donc à peu près. Donc évidemment, hein, en faisant, enfin, faire toutes les quêtes annexes, découvrir tous les secrets d'Albion, ça va vous demander
encore plus de temps, c'est évident. Donc voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, il faut tout simplement avancer et regarder ce qu'il y a dans les coffres. Hop là, j'accepte le gantelet. Ouais, le mode coop, hein, faut quand même y revenir. Le fait qu'on peut jouer à deux en local, en ligne, etc. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais, peut-être. On sait jamais. Inch'Allah. Allez hop, on va quitter ça. Donc voilà à peu près pour la durée de vie. Et donc la bande son, j'en ai vite fait aborder tout à l'heure concernant les voix françaises, qui sont plutôt agréables, vraiment. Vous pourrez remarquer également que les chargements sont assez courts, et ça c'est vachement bien, parce que les chargements longs c'est assez chiant. Jeter un sort. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu nous le dire plus tôt. Attention, Sangoku. Et oui, moi je suis comme ça. Hein. Quand je m'énerve, les sols ils s'ouvrent. Hein. Faut pas déconner avec moi. Voilà, donc on va emprunter les tunnels souterrains pour échapper donc du château. Bon, ils sont un peu lents. Hein. Faut pas les en vouloir. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens connectés, combien? 29, ouais. Retour. J'ai jamais eu de... Ouais, donc ils sont en train de discuter entre eux, hein, tout basiquement. Donc voilà, c'est... Moi je trouve que la bande-son est vraiment parfaite au niveau des musiques. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors là, on a affaire à un milieu plutôt joli. Hein, c'est plutôt joli, on peut le remarquer très clairement. Et puis voilà. Donc on aura... Vous verrez que les musiques dans Fable sont plutôt épiques. C'est des musiques assez épiques. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et les musiques, ça va vraiment vous surprendre parce que c'est énorme. Franchement. Les bruitages sont assez impressionnants et... d'une très bonne qualité. Et donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le doublage français qui est vraiment, on peut le dire, dans l'ensemble, assez excellent, vraiment pas mal du tout. Surtout, justement, comme eux, là, par exemple, Walter ou bien le prince, surtout pour les personnages centraux, donc les personnages principaux, donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Là, il y a des chauves-souris, hein. Bon, c'est pas des chauves-souris qui vont... C'est pas la petite bête qui a mangé la grosse. Mais bon, voilà. Donc, on va s'occuper de ces chauves-souris. Là. Allez. Voilà, on jette des sorts et on tue les chauves-souris assez rapidement, vous voyez. Non, mais mec, putain... Voilà, allez, on y va, les gars. Oui, je sais, je suis assez impressionnant. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, je pense qu'il y aurait des joueurs qui pourraient se dire, ouais, c'est un petit peu dommage, on peut pas opter pour des voix anglaises, etc. C'est vrai que le casting anglophone est quand même assez impressionnant, mais moi franchement, justement, ça m'a fait du bien d'avoir à faire un jeu où on a que du français. Ça change un peu. C'est vrai que l'anglais, ça a toujours été parfait dans les jeux vidéo, c'est ce qu'on a toujours assez bien connu. Mais moi là, je sais pas, ça m'a pas gêné personnellement. Alors bon, là on va plonger. Ah non, je croyais que... Non, je me suis trompé de moment. Où c'est qu'il y en a? Bon, je vais lancer des sorts. Hein. Donc après, pour finir, on va aborder tout ce qui parle du scénario.
Le scénario. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon. Non, j'étais en train de. Oui, non. Alors, l'eau est vachement bien faite. L'eau est vachement bien faite, hein, graphiquement parlant. Je crois qu'on peut vraiment le souligner. C'est clair et net. Donc, le scénario. Là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui ont fait le précédent opus, donc Fable 2. Le scénario est vraiment plus rafraîchissant, très clairement, que Fable 2. Non, franchement, ouais, c'est vachement mieux. Vous allez être vachement agréablement surpris. Donc là, les chauves-souris, ça commence par contre à me casser les couilles. Je me rappelais pas qu'il y en avait autant. Alors là, je viens de cramer mon pote, mais bon, c'est pas grave. Hein, les mecs, je leur crame le corps, mais pff, ça va. Ils vont bien, ils vont bien. Ouais, ça va être plutôt, on va dire, une histoire assez épique. Et il va y avoir de jolis rebondissements. Très clairement, il va y avoir de bons rebondissements. Et je vous laisse découvrir. Franchement, prenez le jeu. Je sais pas s'il est encore disponible sur l'Xbox Live. Il est également disponible, donc comme je l'avais dit, sur PC. Mais franchement, moi je vous le conseille. Je vous le conseille. Vous allez vraiment vous plaire. Très clairement. Je pense avoir à peu près tout dit pour ce Fable 3. Donc dans l'ensemble, c'est quand même correct. C'est un jeu de 2010. Donc bon, pas non plus être sévère, mais donc là on est dans le sanctuaire de mon père. Donc c'est assez impressionnant quand même pour le héros. Et donc voilà. Alors écoutez, moi j'ai à peu près tout dit pour ce Fable 3. Je vous ai très clairement pas grand-chose montré du jeu dans le sens où comment dire, il n'y a pas eu beaucoup d'action dans la vidéo, mais je vous ai beaucoup parlé du jeu. À vous maintenant de voir si vous voulez essayer ce jeu, en savoir un peu plus, découvrir un peu ce qu'il donne. C'est à vous de voir. Voilà. Moi, je dirais en conclusion qu'il faut aimer le jeu quand même. Faut aimer ce genre de jeu parce que si vous aimez pas, n'essayez pas. Très clairement, n'essayez pas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce commentaire vous aura plu. Pensez à laisser un petit j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouverai très prochainement pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi, je vous fais plein de bisous. C'était Revilo19 et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.